cette performance, La Voix du plus fort, se fait en parallèle et en dialogue avec l'exposition Théâtre du pouvoir de la Petite Galerie. Donc évidemment, le thème du pouvoir, de la mise en scène du pouvoir, des symboles de pouvoir, par exemple la couronne, le portrait en majesté, le portrait en costume de sacre, les régalias, ce que signifie être au pouvoir, pour le meilleur comme pour le pire, ce sont nos fils rouges. Nos fils rouges à la fois dramaturgiques, plutôt textuels et musicaux. Par exemple, pour ce qui est de la musique, il y a un chant à quatre voix qui s'appelle Pastime with Good Company, qui a été composé par le roi Henri VIII d'Angleterre. Et on connaît tous qui a été le roi Henri VIII d'Angleterre et ce qu'il a fait pour le pouvoir et du fait d'avoir le pouvoir, qu'il a composé lors de son couronnement. Pour donner un exemple bien précis, la fresque qu'on construit au tout début de la performance, qui est une fresque vivante, comme une espèce de frise en bas-relief, qui raconte les étapes de la vie d'un souverain, de la naissance jusqu'à la mort. Donc accouchement, baptême, couronnement, victoire, gloire, donc c'est-à-dire portrait en majesté, défaite, mort. Ensevelissement. Cette fresque, elle est faite par 12 acteurs qui s'alternent dans les rôles. Mais à chaque fois, il faut que le spectateur puisse identifier dans chaque groupe de personnages qui est le roi. Donc, il se passe la couronne. J'ose pourtant discourir du gouvernement des princes et en donner le règne. Car, comme ceux qui dessinent les paysages et se tiennent en bas dans leur faute, le ciel de Washington est pluvieux, à l'image de ce jour triste. Il est largement question des symboles du pouvoir, qui sont souvent des choses qui restent, alors que les rois, eux, se succèdent. La couronne, elle reste. On a d'ailleurs une scène qui l'illustre de manière chorégraphiée, de manière dansée dans l'espace, dans l'escalier quand on monte. Et donc, il nous paraissait important d'avoir un symbole, on en a gardé un, et c'est peut-être un des plus éloquents, la couronne, qui finalement nous sert à beaucoup de choses. Bon, en tant que symbole, c'est à peu près clair, mais ça nous permet aussi d'identifier, vu que c'est une performance déambulatoire, vu qu'ils sont 12, qu'il n'y a pas de rôle attitré, mais qu'ils jouent tous tout. Ils sont protagonistes, antagonistes, répliques, partenaires, bande-son et décors les uns des autres. Donc pour que du coup le public, qui en plus est un public aussi mobile, puisse identifier autour de qui tourne l'action, quel acteur à ce moment-là incarne le centre de l'action, et bien c'est celui qui a la couronne. L'argent règne sur le trésor des abbés. La tourbe des noirs prieurs le vénère. L'argent se fait juge dans les hautes assemblées. L'argent achète et vend tout. Il prend et reprend. L'argent est adulé. Il se fait menaçant lorsqu'il n'est plus caressant. L'argent est menteur, mais il se fait passer pour vrai. C'est un projet polyphonique dans au sens large, polyphonique puisqu'il y a la voix de plusieurs auteurs, de plusieurs époques, depuis la Grèce antique jusqu'à la contemporanéité. Il y a un texte qui a été même fraîchement écrit pour le spectacle, qui a été écrit par une actrice et qui s'inscrit dans cette polyphonie au même endroit que Euripide, Sénèque, Dostoïevski, La Boétie, etc.
c'est les œuvres de la Cour Marly, c'est l'espace de la Cour Marly, c'est le programme sculptural de la Cour Marly et l'identité de certaines œuvres qui ont inspiré les scènes. Puisque c'est un espace dont chaque niveau raconte une histoire différente, raconte une histoire architecturale, raconte une histoire acoustique, raconte une histoire aussi qui a un rapport avec au comportement des spectateurs. Les gens ne se comportent pas de la même manière dans sur le parvis central ou ici en haut. Et ça, c'est formidable parce que ça nous apprend des choses. En jouant ce spectacle, on apprend des choses par rapport à la logique d'un groupe de spectateurs. Et ça aussi, c'est une branche, une résonance de la choralité et du travail de la choralité. En février 1532, le caïd de Malik était un gouverneur marocain. Au début du 18e siècle, le reste des convives a tout mangé. Tout va tous mal. Et deux mois, Richard Rouve est arrêté. He tried to lead a rebellion against the aristocracy. Il a tenté de soulever le peuple contre l'aristocratie. And his punishment when they caught him. Quand ils l'ont attrapé, sa punition a été terrible. Alors on l'a scié complètement en deux. En donnant naissance au deuxième enfant. C'était au début du 18e siècle. Et l'enfant aussi. Un soir, Néron, l'empereur Néron, et sa femme Pompée, qui était en... Comme c'est un espace à habiter, difficile à habiter, juste la parole ne suffirait pas. Juste le chant ne suffirait pas. Donc ça veut dire que j'ai la chance, la grande chance de travailler avec un groupe d'acteurs formidables qui sont les élèves de troisième année de l'École supérieure d'art dramatique, plus deux musiciennes du département de musique ancienne du PSPBB qui sont de vrais professionnels, qui sont force de proposition en matière de jeu théâtral, de texte, de mouvement, de corps. C'est une promo de danseurs, de chanteurs et de comédiens. Donc, avec eux, je sais que je peux justement aller un peu plus loin, être un peu plus exigeant envers eux, envers moi-même et envers les spectateurs, en termes de choralité. La Cour Marly, c'est un espace qui impose plusieurs défis. L'un des plus grands, sinon le plus grand d'entre eux, pour moi, pour ce travail, est un défi acoustique. C'est un espace très très grand, très vaste. On ne peut pas tout faire résonner ici. Pour certaines choses, c'est magnifique. Par exemple, un chant choral, selon l'endroit où on est placé, c'est magnifique. Le chant final, que les acteurs démarrent les uns sur les autres, couchés par terre dans une espèce de tas de cadavres superposés. Et quand ils commencent à chanter ça, c'est magique. La résonance acoustique de l'espace prend en charge la spatialisation de ce chœur
qui aurait été une catastrophe dans un espace avec une acoustique plus sèche, parce qu'ils ont tous la tête vers le bas et sont tous les uns sur les autres. Alors que là, c'est comme si on avait l'impression que le chant venait d'ailleurs, alors que ces cadavres sont couchés par terre. Ce soir, le roi est parti pour ne plus revenir. Il a laissé derrière lui le manteau du pouvoir et nos larmes inondent nos joues. Et son corps est vide à présent. Et le chagrin nous dévaste. Et il s'en va. Il s'en va comme nous pleurons. Comme nous pleurons à jamais le souverain, la majesté, le compagnon, l'ami, le frère d'armes, l'âme la plus chère à notre cœur. Derrière lui le manteau du pouvoir et son corps est vide à présent. Et à présent, son corps de glaise glorifié de jadis, érigé sur la fange, retourne à la fange et nourrit la vermine. Et sa blancheur adorée est souillée. Et les roses de ses joues se sont fanées. Et sa peau, abandonnée derrière lui, marbrée par le froid, ira rejoindre les mules légendaires des Isans. Roi, après toi. Roi avant toi, Dieu avant toi, vénéré avant toi, Dieu déchu. Roi après toi, Dieu après toi, vénéré après toi. Après toi, ramasseront le manteau du pouvoir qui a glissé de tes épaules. Longue vie à toi,